on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire. Einstein n'est pas avec toi? Je l'ai pas vu ce matin. Bah tiens, quand on parle du loup. Salut alors, bien dormi? Ouais, et contrairement à toi, on s'est pas endormi sur notre ordinateur. Hein, quoi? Comment tu sais que j'ai... La marque du clavier sur le front. J'ai passé la nuit à programmer. Et j'ai peut-être trouvé comment récupérer William. Salut Ulrich, dis t'aurais 5 minutes. Si ça peut pas attendre, bah allons-y. Allez, filez, je vous rejoins. Bon, ben voilà. Tout le monde dit qu'avec les filles, t'as un max de succès. Ouais, ça dépend de la fille. Dans ce cas, disons ma sœur, par exemple. Mauvaise réponse. Avec Yumi, on est copains et c'est tout. Ouais, ça, c'est ce qu'elle te dit. Enfin bon, je suis pas venue pour parler d'Yumi, mais plutôt de... Millie. De qui ça? Millie Soloviev, la grande rousse qui est en cinquième. Tu vois de qui je parle? Ah ouais, la petite Millie. Tout le monde la connaît ici. Bon, c'est quoi le blême? Ben, c'est que je l'aime bien et je sais pas comment l'aborder. Et puis après, de quoi lui parler? Ben, c'est pas compliqué. Parle-lui de ce qu'elle aime, de ses passions. Hein? Le journalisme, c'est un bon plan, ça. Ouais, t'as raison. Je lui déniche un scoop pour son journal. Là, pour le coup, c'est sûr, elle craque. Ouais, un scoop, bonne idée. Mais d'où tu vas le sortir, ce scoop? Pour ça, j'ai déjà ma petite idée. Moi, un concours, tout dans le look, rien dans le crâne. Oh, mais j'arrive! Et alors, qu'est-ce qu'il voulait, Hiroki? Des conseils de séduction. Il craque sur Millie. Sans blague! Mais si c'est pas mignon tout ça! Eh, mais il est pas un peu jeune? Mais non, c'est comme certain. Il fait un peu petit pour son âge. Et en plus, lui, il a un an d'avance. Ouais, bref, il se fringue encore au rayon couche-couleur. Et sinon, ton éclair de génie de cette nuit raconte? Eh bien voilà, lorsqu'un être humain est virtualisé, il émet comme une sorte de résidu binaire que l'on pourrait en quelque sorte apparenter à une sorte d'émanation de la substance physique, bien sûr reséquencée sous forme numérique. Et en français dans le texte? Quand tu vas sur Lyoko, tu laisses derrière toi une trace informatique, l'équivalent d'une odeur. Et tu trouves pas que c'est plus simple dit comme ça? Bah non. Bref, imagine un programme intégrant la séquence ADN de William, celle enregistrée lors de sa première virtualisation. Et cet upgrade intégré au sonar du skid va me permettre de lancer une recherche dans l'ensemble du réseau à chacune de nos missions. Et pour finir, localiser où se cache William. Bref, t'as transformé le skid en sous-marin renifleur. T'as tout compris. Et comme on n'a pas cours cet après-midi, je vous propose de faire un essai. Hiroki, à quoi tu joues, là? Hiroki, je te jure que si, je t'attrape. T'en fais tête, t'as un problème? Non, c'est juste un truc que m'a dit Hiroki. Bah allez, raconte. Non, c'est sans intérêt, laisse tomber. Désolée. Si, si, l'a demandé en mariage ou quoi? Hey. Yumi, attends. Tiens, c'est à toi, ça. Ah, tu rigoles? Un cahier avec une couverture aussi sombre, c'est pas hot style. Tu me le rends immédiatement pigé. Calme-toi, je plaisantais, sœur. Tiens, le voilà, je... bah, il est plus là. Quoi? Et tu vas rire, mais je crois que je... que j'ai dû perdre. Non, non, dites-moi que je rêve. Mais tu sais que t'es pas mal sur cette photo. C'est qui ton admiratrice? Fais voir. Ça, c'est un Yumi, pas vrai? C'est son journal intime. C'est pour ça qu'elle poursuivait Hiroki. Mais
j'y pense. C'est l'occasion rêvée de savoir ce qu'elle pense de toi. Pas question. Ce qu'il y a dans ce journal ne me regarde pas. Et puis, je te signale que Yumi et moi, c'est juste copains, c'est tout. T'en es sûre? Disons que parfois, je me pose la question. Salut, Yumi! Oh, ça va pas? Tu fais une de ces têtes? Laisse, c'est à cause de mon frère. Il m'a piqué un... un truc auquel je tenais. Cet idiot l'a perdu. Ouais, justement... Ah, vous êtes là! Ça y est, j'ai pu upgrader le sonar du ski dont on est fin prêt. C'est quoi cette histoire? Ah ouais, désolé, toi t'es pas au courant. Voilà, j'ai peut-être trouvé un moyen pour ramener William. Ah ouais, cool. Yumi? Yumi? Je te cherchais. Je te fais toutes mes excuses pour ce matin. Jamais j'aurais dû prendre ton journal, je suis désolée. Tu l'as retrouvé? Non, mais je... j'ai cherché partout, j'ai tout fouillé, rien, je te jure. Tant que tu l'auras pas retrouvé, dis-toi que tu n'as plus de sœur. C'est quoi cette histoire? Oh, rien, des sushis de famille. On vous racontera ça, promis. Ulrich, tu veux bien m'accorder une seconde? Génial, et nous on fait quoi alors? Nous? Ah on va déjeuner. Bon, tu m'expliques? Le journal, t'allais lui rendre, non? Ouais, mais le problème, c'est Hiroki. C'est lui qui doit le faire, sinon Yumi ne lui pardonnera jamais. Bon, et alors? Et alors, on peut s'arranger pour qu'Hiroki retrouve le journal et le rende à sa sœur. Et on fait d'une pierre deux coups. Yumi a son journal et son frère est pardonné. Le geste est beau, non? Remarquable! Et comment tu comptes t'y prendre? Toi, cache ça sous un tas de feuilles mortes dans le parc près de la remise. Moi, je m'occupe d'Hiroki. D'accord, mais laisse-moi un peu de temps. Faut que j'aille chercher Kiwi. Avec tout ça, j'ai pas eu le temps de le sortir ce matin. Ouais, vas-y. J'étais sûre de mon coup, c'est la cata. T'en fais pas, Hiroki. Yumi finira bien par se calmer. Surtout si elle retrouve son journal. Oh, ça, je le sais bien. J'ai cherché partout. J'ai même refait tout le chemin à l'envers. Pas à pas et rien. Je crois que ce journal s'est évaporé. Hey, ça me revient, là. Ce matin, j'ai vu Monsieur Roulier qui ratissait les feuilles mortes dans le parc. Et alors? C'est son boulot. Il est jardinier, non? Oui, c'est sûr. Mais imagine qu'il ait ratissé le journal. C'est pourquoi il aurait fait ça. C'est stupide. Peut-être qu'il ne l'a pas vu. C'est la routine pour lui, râteau, métro, dodo. T'as peut-être raison, le journal de Yumi est sous un tas de feuilles mortes. Faut qu'on aille voir. Allez, dépêche-toi. Hiroki, attends-moi. Alors, la pêche est bonne? Oh non, j'ai rien trouvé. Oui, mais t'as pas tout fouillé. Alors, où est-ce qu'il est? Disons que ça chauffe pour Hiroki. Te voilà, toi, où tu t'étais encore fourré. Allez, grimpe dans le sac, grimpe. Oups, je l'ai. Et vous faites quoi, là, au juste? Je te le pardonnerai jamais, Hiroki. Oh, ne me regardez pas comme ça, j'y suis pour rien, moi. Regagnez la salle des scanners. Je prépare les procédures de virtualisation. Vous y êtes? Je lance la procédure. Pour une fois, les garçons d'abord. Transfert Ulrich. Transfert Og. Scanner Ulrich. Scanner Og. Virtualisation. Yumi est d'une humeur massacrante. Dis-lui la vérité pour le journal. Et tu crois qu'elle le prendra comment en apprenant que c'est toi qui l'as planqué dans les feuilles? Dis donc, c'était ton idée, Casanova. Allez, on y va.
parti. L'ascenseur de ces messieurs-dames est avancé. D'embarquement. Oh. Embarquement. Décollage, désarrimage. Propulsion verticale enclenchée. Décollage. Plongez dans la mer numérique. C'est parti! Holoweb, système connecté. On est sorti de Lyoko, Jérémy. Rotation. Turbo-hélice enclenchée. Ok, je lance le programme. Préparez-vous à recevoir les premières coordonnées. Roger. Oh non, je rêve. Oui, un gros problème. On dirait que le skid est privé d'une partie de ses capacités sensorielles. Et en plus, c'est ma faute. Mon programme fait bugger le sonar du skid. Et sans lui, la mission est beaucoup trop dangereuse. Vaut mieux l'annuler. Reçu, je confirme. On rentre. Bon, alors on passe au plan B. Attaque frontale contre son oreiller et plongée sous sa couette. Objectif primaire, une bonne nuit de sommeil. Cible secondaire, faire de vos rêves. Désolé, Odd, mais pour la sieste, va falloir attendre. J'ai trois congres en approche, droit sur le skid. Largage! Voilà pourquoi m'acheter. Direct dans les quenottes! Efficace, Yumi, quand elle est en colère! Ah, j'en ai un aux fesses! Et pas de bol, c'est un vrai pot de colle. Yumi, en plein dans le mille. Bien joué, vieux frère. On se fait la dernière en duo? Avec plaisir, camarade. Yahoo! Vous rentrez à la maison. Récupération. Mais où est passée Yumi? Je comprends pas. Elle n'est plus sur mes écrans. Je l'ai perdue. Elle a dû être touchée par un Kong. Non. Non, c'est impossible. Einstein, tu crois qu'elle a été virtualisée pour de bon? Non, Odd.
Non, je crois pas. J'ai les enregistrements du combat et nulle part il n'y a de trace de son élimination. Donc elle est toujours à bord de son nav-skid quelque part au milieu de la mer numérique. Peut-être, mais le skid n'est pas en état de la retrouver. Vous devez rentrer pour que je lance un programme de réparation. Non, pas question. On ne peut pas la laisser tomber. Ulrich, personne ne songe à l'abandonner. Seulement, on risque tous d'être virtualisés définitivement avec le skid dans cet état. Je comprends, oui. Donc rentre. Combien de temps il faut pour tout réparer? Difficile à dire. La reprogrammation du sonar est liée à l'équilibre entre d'une part la bipolarité des flux et d'autre part la... En résumé, on repart quand? Bientôt, si tu me laisses bosser. T'inquiète, Ulrich, je vais l'aider. Dès que c'est bon, je vous appelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici, c'est Yumi. Je suis paumée. Ça va mal. Presque plus d'énergie. Hé, vous m'entendez? Répondez, s'il vous plaît. Non, c'est un cauchemar. T'inquiète pas, t'as entendu Einstein, non? Elle n'a pas disparu du réseau. Il va nous la retrouver, notre Yumi. Qu'est-ce que tu me ramènes, mon chien-chien? Eh oh, mais... C'est le journal intime de Yumi? Hein, quoi? Évidemment, Kiwi m'a vu le planquer dans le tas de feuilles mortes. Pour lui, c'était un jeu. Il l'a piqué et enterré ici. Et tout ça sous mon nez. Génial. On a retrouvé le journal, mais on a perdu Yumi. Jérémy? Aelita? Vous me recevez? Ici Yumi. J'ai presque plus d'autonomie. S'il vous plaît, il fait froid. Je me sens si seule ici. C'est ta dernière tentative, allez. Alors prends ton temps pour viser. Oh non, j'ai plus assez d'énergie. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. En sacrifiant l'énergie de mon bouclier, ça va peut-être le faire. Ok, à nous deux. Waouh! C'était quoi ça? Ça, c'était l'explosion d'une torpille de nav-skid. Yumi! Je t'écoute, Aelita. Ok, on arrive. Ils ont retrouvé Yumi! Odd? Bah alors! Je veux rentrer, maman. Hé, hey, Yumi! Avec qui je jouerai, moi, si tu pars? Non, Hiroki, je nous prends un X au pluriel. Mais comment tu sais tout ça, Sorette? Mais à quoi vous jouez, les enfants? Alors, combien? Oh, ben, au moins 10 minutes, ouais. Champion. Hiroki... J'aurais jamais dû prendre ton journal. Tant qu'il aura pas retrouvé, dis-toi que t'as plus de sœur. Oh, je te pardonnerai jamais, Hiroki. Oh. Allez, allez. Yumi nous a envoyé une bouteille à la mer. Cool, on va la repêcher. Il faut que ça calcule d'abord. J'ai bien isolé une zone, mais impossible de la localiser précisément tant que le sonar du skid n'est pas réparé. Si elle a tiré une torpille, c'est qu'elle est en danger. On a reporté les coordonnées de l'explosion dans l'HoloWeb pour déterminer la position de Yumi par triangulation. Hé, hey, elle est là! Elle a dû être aspirée par un hub. C'est pour ça qu'on a perdu sa trace. Seulement, je n'ai toujours pas pu réparer le sonar. Et naviguer dans ces conditions, c'est extrêmement dangereux. Mmh, je suis volontaire! Bah, on est deux. Est-ce qu'on attend pour y aller, alors? Ah, bon vu, Jérémy. Bien reçu, Aelita. J'entre les coordonnées de l'endroit où Yumi a lancé sa torpille. Aspiration dans l'hyperfluide dans 3 secondes. Accrochez-vous! Ah!
les amis? Vous en avez mis du temps. Jusqu'à la prochaine fois. Allez, amarrez-vous au ski des retours à la maison. La mission est un succès. Pas tout à fait. Un jour, on te ramènera avec nous, William. Pour le journal, il faut que tu saches que je m'en veux vraiment. Je te remercie de l'avoir ramené. Oh. Tu sais, j'ai compris que ce qui nous unissait était plus fort qu'un simple journal intime. Je suis plus fâchée. Non, mais t'es amoureuse. Oh. Allez, fiche le camp. Et voilà le travail. Tout, tout, tout.